Les patrons en colère tiennent ce soir un meeting à la Cité internationale de Lyon. MEDEF, CGPME et UPA sonnent donc la mobilisation générale, comme l'a expliqué Pierre Gattaz en conférence de presse. C'est un mouvement de la base et qui essaye d'exprimer ce que nous disons, nous, au niveau national, depuis des mois au gouvernement. Ce que nous disons au niveau du gouvernement, c'est qu'il y a des dispositifs qui ne marchent pas et qui vont détruire de l'emploi. Et cette mobilisation, c'est une mobilisation qu'on a voulu pédagogique, de terrain, républicaine, comme on le dit, apolitique. C'est pas une mobilisation contre le gouvernement, c'est une mobilisation pour l'emploi, pour la croissance et pour le pays. Enfin, le but de la CGPME, c'est de mettre maintenant, entre parenthèses et définitivement, des mesures qui vont tuer nos entreprises, que sont la pénibilité, le travail supérieur à 24 heures par semaine, excusez-moi, et la loi ESS qui oblige d'informer nos salariés quand on veut transmettre son entreprise. Voilà des mesures concrètes. Alors après, on peut rentrer dans le détail de taxes de fiscalité, mais quand on voit, on nous dit qu'il n'y aura plus d'augmentation des prélèvements et de la fiscalité, on n'a que ça en ce moment. Les patrons qui entendaient symboliquement siffler le gouvernement ce soir ont toutefois renoncé à cette initiative. 3 000 d'entre eux sont attendus pour cette mobilisation lyonnaise.